Dans ma détresse, je criai à l'Éternel, et l'Éternel me délivra. Comme il est bon, mon Dieu. J'étais perdu, sans espoir, sans abri dans ce monde. Pas même un ami, ni un frère qui pouvait me consoler. Dans la poubelle du péché où j'ai vivé jadis, il a introduit sa main pour me libérer. Je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, je dis, ma vie n'a pas de sens. Oh oui, dirige-moi, conduis-moi dans la vérité. C'est toi qui m'as délivré du filet de l'oiseau l'or et de la peste et de ses ravages. Tu es bon, mon amour. Les filets de la mort qui m'environnaient et les torrents qui m'épouvantaient. Moi j'étais comme un arbre planté dans le désert. Depuis que Jésus révélé dans ma vie, moi j'ai eu l'espoir de la vie après ma mort. J'oublierai jamais dans ma vie, moi j'oublierai jamais dans ma vie. N'effacera jamais celle de t'avoir perdu. Sache que je vais t'aimer sans cesse, et tu resteras à jamais dans mon cœur. Que les anges te reçoivent dès ton arrivée au paradis, et que brillent tes yeux à la lumière sans déclin. Va en paix, maman Ursula de Palais, maman Mapasa. Didé Sergio de la famille d'Nzinga à Zolela. Le Parisien le plus rapide, le Pessarco. Rama le pape, le président de la jeunesse. La poche est polie, est polie, est polie. Ah, bicho mukoyo. Na ke, na ke, na jamamu mani kwa batuba.
bana bazali kolela o nake nake nata mambo mani kwa batu babonzo l'homme qui a conquéri toutes les banques de France Albert de Poussy le grand trésorier ah t'as tapé le peu seconde Nata mambo mani kwa batu babonzo Nake Yaya Fes Masengo Ya katolela Arjan Mbebeba Ya bolela yaya Azala kiloko na mama Maman Marlène la lionne Keo sente Lela mama mapasa De palena sente
ma passe au tiki bana na kole la ndegenine ah ndo palo ah mama iwile d'argent. Nakacha fene machua Robingele lonkukuta Wakeakele Mukulumba Daniela Repose en paix Yaya Peggy Misamu Ah Vagaro Musuna Chantal Misamu des États-Unis.
Yeah.
s'est passé à Paris. Et aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais pouvoir aussi chanter les obsèques de sa fille. Je l'ai vu arriver, cette fille avec son frère. Parce qu'on était de très bons amis avec son père. Daniel était chanté avec moi dans la chorale et dans le groupe des Matondo. Et donc, quand j'ai appris qu'il y avait une fille qui était morte ici, qui s'appelait Ursula, je dis que je connaissais pas. Et c'est ma nièce, au pays, princesse, une amie de longue date, Ursula, qui m'a appelé pour me dire, tonton, voilà, il y a une grande amie, qui est décédée à Paris. Si tu peux, voilà, me représenter pour chanter quelque chose. C'est pour ça que je suis là. Dieu même nous accorde sa grâce encore une fois et nous pouvons être sûrs que nous n'avons pas. Olotopesio, Bokanabiso, Kitayofanda, Nakitia Bokozi, Boka Oyo, Yakayuzo. Esengo na mitema yakayosilisa olela na biso yaya itana bokonzi wayo itana bokonzi wayo. Bonjour à tous. Nous voulons donc rendre hommage à cette grande dame des palais, mère double Maman Mapassa,
à notre très chère sœur. C'est avec un cœur meurtri que nous, les ladies, venons te témoigner notre reconnaissance et notre amour après toutes ces années passées ensemble. Nous avons partagé tant de choses et aujourd'hui, tu nous quittes. Tu nous quittes trop tôt, maman, celui-là. Ta joie de vivre, ta bonne humeur va énormément nous manquer. Et cette phrase que tu disais tant, comme si tu savais, ah maman, dit Mouchikoy, il faut profiter au maximum. Oui, ça c'est tes paroles, maman Ursula. Et nous allons profiter au mieux que nous pourrons pour cette belle leçon de vie que tu nous donnes. Et pour finir, nous tes sœurs, nous te disons un grand au revoir. Notre adorée, notre lady, notre maman Ursula, maman Makassa, repose en paix. Et je ne pourrais pas finir sans te dire que je sais que nous nous reverrons. Oui, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, il y aura une résurrection après la mort et il n'y aura ni deuil, ni souffrance, ni maladie. Mais nous allons louer et glorifier notre Dieu pour des siècles et des siècles. Bon repos. Au revoir. Merci. C'est en direct. Que dire d'Ursula? C'était il y a 27 ans, lorsque j'ai vu mon fils, Rostel, et sa petite amie. J'ai dit à Rostel, mais c'est qui? Dit, papa, je suis amoureux d'elle. Ce sera ma femme. J'ai rigolé, ils étaient tellement jeunes, 16 ans, 15 ans. Et au fil des années, ils sont restés ensemble. Ils ont eu des enfants. Et Ursula est rentrée dans notre famille. D'elle, nous avons retenu son immense joie de vivre. D'elle, nous avons retenu sa gentillesse extrême. D'elle, nous avons reconnu sa formidable manière d'être une maman avec ses enfants, avec tous ses enfants. 27 ans d'un parcours d'amour et de joie. Aujourd'hui, nous venons lui dire au revoir. Mais mes chers enfants, mon cher Rostel, Ursula n'est pas partie. Elle est juste de l'autre côté de la porte. Elle nous regarde avec son tendre sourire et sa joie débordante. Nul doute que le Dieu Tout-Puissant, qui est le Créateur de toutes choses, daignera répandre en vous, ses amis, ses enfants, sa famille qu'elle laisse, l'amour infini avec lequel elle a vécu. Oui, Ursula, tu n'es pas partie. Tu es juste de l'autre côté de la porte. Et nous continuerons de t'aimer. Va en paix. Bonjour à tous. Je ne vais pas faire un long discours, mais je veux juste dire aux gens qu'il faut éviter de remettre les choses à demain. Quand j'ai appris qu'Ursula n'était pas bien, je l'ai appelée pour savoir comment elle allait, je lui disais de manger, etc. Donc j'étais pas bien parce qu'elle n'était pas bien. Et je devais aller la voir. Donc on a fait des courses. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on va y aller après. Mais à force de remettre à demain, à cause du quotidien, le taf, les enfants, ça fatigue. Mais c'est important d'aller voir les gens que vous aimez. Arrêtez de remettre les choses à demain. Parce que d'une seconde à l'autre, vous voyez là, ce qui est en train de se passer, c'est un truc de ouf. D'une seconde à l'autre, bah, la personne elle est plus là. Genre là maintenant elle est dans un cercueil. Vous mettez pas les choses à demain. Quand vous devez aller voir les gens que vous aimez, faites-le. Merci. Et son beau souvenir. Daniel, va en paix.
venez ici, les amis. Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour honorer ma mère. C'est vraiment pas facile pour tout le monde. Moi, je suis encore dans le déni, je réalise pas comme si je viens de la voir. Je sais pas pourquoi elle est partie. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est parti tellement vite. En tout cas, je retiens une chose de ma mère, c'est que c'était pas une personne mauvaise. C'était une belle personne qui pouvait s'apporter à tout le monde, qui était toujours souriante, qui n'était surtout pas menteuse et qui n'aimait pas les problèmes. Toutes les personnes qui sont ici, je les remercie du fond du cœur. Mais les hypocrites, comme sa sœur, non, je m'en fous, je suis désolée. En fait, on ne peut plus faire semblant. Là, j'ai perdu. J'ai perdu un être très cher qui ne va jamais revenir. Voilà.
Vous lui mettez maintenant. Comment vous pouvez la battre la balle? Battre la balle. Thank you.
Thank you.
Oh,
yeah.